la base, c'est un exercice de batterie que m'a donné un de nos voisins, Raoul Esmerode, qui a été à peu près mon unique professeur de batterie, avec qui j'ai passé mon certificat de batterie jazz en 89 au Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre, et qui habite aussi l'île aux 13. Donc c'est un des 5 batteurs qui habitent le quartier. Enfin, dans les vieux. Maintenant, il y a tous les nouveaux batteurs. Donc il y a aussi des jeunes, il y a pas mal d'enfants qui se sont mis à jouer de la batterie parce qu'ils me croisaient donc, dans les cours ou au parc, puisque ça fait maintenant 15 ans que je travaille en extérieur. Alors en fait, ce quartier est un quartier de musiciens. Il y a une grande histoire de la musique. C'est d'ailleurs grâce à un musicien, Thierry Clark, que je suis arrivée ici en 86 avec les contrats de confiance qui avaient été mis en place par Claude Aigui. Donc le 15 rue des Gares, 15 bis, c'était un immeuble très vétuste qui n'avait pas été rénové pendant plus de 50 ans, qui était voué à la démolition, comme à peu près tout le périmètre, puisqu'un projet avait été avalisé, qui voyait en gros une architecture similaire à celle de la Poste actuelle, avec un immense centre ici, ça aurait dû être un parking. En fait, c'était ça le projet. Et il y a eu l'association des habitants de l'île aux 13 qui s'est créée, qui s'est battue pour conserver l'habitat dans cet endroit. Et grâce au fait que le bâtiment 15 bis rue des Gares, donc ce bâtiment-là qu'on voit là, ça c'est le 15 bis, qui est aussi l'immeuble dans lequel je vis, qui a été déclaré monument remarquable, ou bien habitat remarquable, et qui était le dernier qui montrait comment c'était articulé au niveau architectural les îlots de cette époque-là de la construction. Voilà, ça c'est un petit accordéon, c'est mon premier instrument l'accordéon. Alors c'est un jouet, mais quand je l'ai vu, dans une brocante, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Puis ce qui est assez chouette, c'est que pour un jouet, en fait, il sonne bien. Puis il est très léger, donc c'est mon petit accordéon. Ce qui est super quand on joue dehors, c'est qu'on joue avec la nature, on joue avec les gens qui passent. Et des fois je m'arrête pour écouter les oiseaux. Donc en fait, de jouer en extérieur, et le but est aussi, quand on joue dehors, c'est de ne déranger personne. Parce que je travaille dehors, mais je ne demande pas d'argent, et je ne demande pas non plus d'autorisation. Donc ça fait 15 ans que je travaille dehors, et que j'ai réussi à créer une espèce de petite bulle sonore qui fait que les gens sont plutôt agréablement surpris, ou en tout cas ne sont pas dérangés par mon activité, par mon travail quotidien. Parfois, je peux rester une heure sur le même rythme. Donc c'est vraiment un travail de... c'est mon entraînement.
suis pas en train de faire des concerts à l'extérieur, même si le fait que de travailler souvent seule, et puis pour pas m'ennuyer moi-même, j'essaie de développer des morceaux. Souvent les gens, quand je m'assieds sur un banc, s'asseyent à côté de moi, je croise un peu toutes les personnes qui fréquentent les espaces publics, les parcs. Il y a ceux aussi qui dorment dans les parcs, qui rentrent en contact avec moi, ceux qui me disent qu'ils entendaient le même son au village, ou alors que je ferais un tabac si je postais des vidéos sur YouTube, je ferais un tabac en Roumanie ou en Géorgie, ou alors parfois des gens qui veulent me donner de l'argent. En général, c'est ceux qu'on n'a pas. C'est-à-dire, souvent c'est les toxicomanes qui veulent me donner de l'argent. Et voilà. Des fois, des enfants qui viennent mettre une petite pièce. Voilà. Mais c'est assez touchant, en fait. Ça veut dire que mon activité génère aussi des interactions humaines, sociales, et que je pense que c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin maintenant. Redécouvrir enfin, la manière dont on peut simplement se parler et communiquer de manière simple. Et que la musique, c'est un excellent médium pour ça.